Le détachement d'honneur de la police, commissariat urbain de la Gombe, et celui du détachement, celui de Jemi Ouest, sont en jeu pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion du lancement de l'opération coup de poing au rond-point Willery. Devant vous, le conseil supérieur principal, Galangana Warubila Claude. Thank you.
Thank you.
grande opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Et ça pour qu'on matérialise vision, il y a chef de l'État Fatshi Benton. Il n'y a rien kaka kozongi sa capitale Oyo Léopoldville Nengezalaka Naba Norme Nengezalaka Kin Label et puis tout ça kozongi sango et revêtir encore et lamba nango ya sika na yango bomboni lelo avant tout ça l'opération Oyo to les gars qui n'a pas sensibiliser population et longo na brigade spéciale pour il y a popeto ba policier il y a sensma unité spéciale pour la protection d'environnement ba bukumbese et puis ba janyoso il y a Oyo bazali ba terre na kati ya sensma to sensibiliser mais peuple congolais pe kinois azara toujours matoi mangongi ayokaka na fimbo yango lelo to zali ko sala opération Oyo nazo rappeler na ba kinois que opération ko suka na nyangwete to banaki na ngona masina to bandi na ngona windu to zokende na ngo to kotambola partout mutu nyoso azoka nga lelo na télévision Oyo otonga au sala constitution anarchique au kanaka niveau Oyo otonga na kata balabala pour empêcher ta muzuzu mai eleka pour ça ko causer ba inondation yeba ke opération to ko lembate to ko kende tina suga tina suga tibu kolo Kinshasa Oyo ekolata robe ya sika selon vision ya Gentili Ngobila Oyo azali ko matérialiser vision ya chef de l'état Fatshi Benton. Na sepela en tout cas na Gentili Ngobila baka na eloko ya sala asaba musala malamu na mitso banga tsa bongse miso banzela bato tonga ba terrasse na bango na kata nzela pe toilette na nzela mais en tout cas merci beaucoup na le gouverneur Gentili Ngobila na musala zo sala malamu na vice gouverneur Jekoko. Alto baba sali basali alta bien bon et tu prends et ton to tata le les abatte mitu ke le kakate ba tu moye ba le kezate bango ba tonga ba nze baba baba na bango na likola ba ka niveau mai ko le ka place ni dans ton CP pa ma kampa pa gouverneur a sali ma kampa malam na remercier na féliciter initiative Oyo ba conseil ville bazu pour na ba démolition ba construction anarchique parce que tant que quelque chose a bopeto il faut mboka et ça quand même assainir. Tout le monde était bande cobelé, l'espace public à l'État est comme vraiment violé. Et ça, il y a un malade qui a été. Tout le monde a été refusé. Son Excellence, M. le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka Kiti, le vice-gouverneur, il a attaqué moi, il a attaqué Kinoa, il a vraiment soutenir l'initiative. Parce qu'il ne faut pas assainir. Aujourd'hui, les lobes, ils ont des devoirs, ils ont été parce qu'ils ont barré l'équipe partout, maquillé l'équipe partout. Donc, l'initiative, ils allaient bien, ils allaient à développement, ils ont un mouvement qui nous a fait peu tôt. Ils ont été derrière Gentili Ngobila Mbaka, mais c'est le président de la République, chef de l'État, Fatshi Benton. On a remarqué que ebele ya babar bandako ebele etongami kaka likolo ya bakanivore. C'est pourquoi bazangi place ya kobwa kamai batiki kaka batongi bandako wana bongo moyen ba pesa ata mai nzela ezate. C'est pourquoi bamai ekomi kotondela biso na banzela ezokota biso na mapango ezokotela biso tina bandako omoni likambo eoti osalema kuna na angaliema bato bakufaka mingi likolo ya mai. C'est pourquoi tango bapekisaka bango likolo kotonga na banzela bayoka kite. C'est pourquoi lokola l'État azalaka suprême azui mukanu ya yemoko abuka biloko nyonso tongama déjà na nzela. Mais balobi ke il fallait l'État avertir bango prani ayeko buka bango. Avertissement déjà et salama ki déjà. Bayebisaki bango pa l'État a raisonaka. Avant ça la likambo il faut ayebisaka bato. Ba chef wa quartier bazalaki wana. Ba brokomestre na biso ya commune bazalaki. Donc ba si déjà bayebisa bango botonga kaboyete bolongo la biloko na bino wana bosa bo. Donc c'est dire congolais ayoka na retour. Mais si on parle ba o ba osa ne ba buki boye après le ba yesu na mko
Vraiment, Nous sommes ici sur l'avenue Nyangwe dans le cadre de l'opération coup de poing qui consiste à dégager les emprises publiques des constructions anarchiques, également des marchés pirates. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur les Huileries, l'avenue également Kabambar, ainsi que l'avenue Nyangwe. Ici, nous avons démoli, nous sommes passés à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur ces trois avenues. Alors, la poursuite de cette opération va se faire le samedi de cette semaine,
Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et samedi, nous allons faire donc ex-Joséphine Charlotte, devenue aujourd'hui l'avenue de Libération. Alors, cette opération consiste à rendre propre, dans le cadre de notre opération, que vous connaissez, Kinshasa, Bopeto. Donc cette opération coup de poing, libération des emplois publics, des concessions anarchiques et également des marchés pirates, consiste tout simplement à rendre la ville propre, à dégager les avenues, à rendre visibles les avenues pour commencer à devenir un peu à l'étroit. C'est ce que nous sommes venus faire ici avec toute mon équipe. Je suis donc accompagné de mon adjoint, le vice-gouverneur Jikoko. Je suis aussi accompagné du général Kasongo pour la coercition, c'est important. Il est donc le commandant de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, et aussi de mon ministre de l'Environnement, Madame Kabam. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer cette opération qui va s'étendre finalement sur toute la ville. Voilà. Oui, Excellence, Monsieur le Gouverneur, il y a eu beaucoup de démolitions. D'aucuns pensent qu'il s'agit de destruction méchante. Et certaines opinions pensent que ça va à l'encontre de la vision du président de la République. Comment vous pouvez éclairer l'opinion à ce sujet? Bon, effectivement, tout au début de mon mandat, j'ai commencé par là. J'ai commencé avec la démolition des constructions anarchiques au niveau des sites de marché. Pour la petite histoire, il y avait un monsieur libanais qui finalement nous avons pu expulsé de notre pays. Ce monsieur avait érigé 120 magasins sur l'emprise publique du marché central, obligeant de se faire donc le maman qui vendait à cet endroit d'aller vendre sur les avenues, notamment les avenues Kato, les avenues Bourouagading et consorts. Et nous avons commencé par là. Nous avons commencé par démolir les constructions anarchiques érigées sur les emplois publics. Mais à cette époque, je parle ici de 2019, deux gens de mauvais augure m'ont attaqué pour dire que voilà, le gouverneur de la ville était en train de saboter le mandat du président de la République. Et comme il y avait des pesanteurs, il y avait beaucoup de pesanteurs, notamment les Libanais se sont ligués, ils ont mis l'argent pour démolir. Et du côté de la presse, on a dû faire un pas des ailes pour laisser le temps au temps. Et finalement, quand vous chassez le naturel, il revient au galop. Et nous avons repris donc notre opération au coup de poing aujourd'hui. Et les choses vont très bien. Alors, Excellence, une dernière question. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population congolaise qui achète partout et qui achète même sur les emprises? Alors, pour les Quinois, les Quinoises et les Quinois qui ont pris cette mauvaise habitude d'acheter les emprises et de construire là-dessus, donc je leur demande tout simplement d'arrêter. Parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, l'autorité urbaine s'est levée pour commencer toutes les démolitions érigées sur les emprises publiques. Donc ils vont subir des pertes qui seront à leur niveau incommensurable et ils vont s'en prendre finalement quand même parce qu'on ne va pas s'arrêter, on va continuer un peu partout à travers la ville pour dégager les emplois publics de toutes les constructions anarchiques. Alors, le Lotoya a un cadre à opération Nabisso coup de poing. Oyo tozali ko longola na ba balabala ba construction nyonso oyo ba esami na balabala tozo ko buka yango pe tozo ko longola ba marché pirate nyonso oyo ezali na ba balabala oyo tosali lelo pona lelo oyo tosali balabala Wileri, tosali balabala Kabamba, tosali balabala Nyangwe mokola poso oyo ya donc le samedi prochain tozala balabala Libération oyo ba benga 24 novembre le lieu commun à Libération. Alors, tout ça, là, en gros, samedi, et opération, on est à coup de poing, il y a Libération, il y a pas plus public, il y a pas démolition, il y a marché pirate, il y a pas démolition, la construction anarchique
oyo tongami bongo na balabala toko continuer yango ti Kinshasa mobimba pona ko dégager ba balabala ezala peto ba balabala ezala minene ndenge ezala nde batonga yango pe total la possibilité dans l'avenir ndenge nini ya koye sa susu ba balabala yango et ya mwa minene parce que la population ezako kola singeli total la pe ndenge nini ya ko adapter ba balabala otoza na yango la population autour de l'Angolélo. Alors le long de Momoni, équipe, ils allaient donc compète, ils allaient la vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, du Kumulumba, ils allaient général commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, pour la Macamonio sur l'Italie, au Kangabato, au Baroyo Sala, en français, au récalcitrant, au Baroyo Tchamam Boulou, au Baroyo Sala. Pour saboter l'opération, donc il y a Azali Wongo et puis Azali Kolandela, Misala Tozaro Sala. Vous allez payer madame la ministre de l'Environnement, madame Kabamba Bena, il y a Azali Bongo, Azali Bongo, domaine, donc c'est la ministre et sectorielle concernée, ou Azali Kotala, Makambo, vous allez au Sala, la carte à ville de Kinshasa. Alors pour la banque de Kinshasa, Nakoloba Boyi. Mboka na mboka ezara na ba norme na yango. Ya biso Kinshasa batonga yango depuis époque coloniale ba balabala ezaraki pe batikeli biso ba emprise. Moi biteni ya mabele oyo batu ba koyo utiliser ko la trottoir baza ko leka na banzela ko katsa banzela ko katsa ba balabala ko katisa ba quartier ko katsa ba commune pe ko koma biska bango bali ko kende. Mais bato bakoma ko tunga na bisika wana bongo bata makolo bakoleka bisika wapi ngwana opération oyo ekosuka awate to ko continuer nango bisika nyoso oyo ba construction anarchique ezali na banzela ya ville de Kinshasa kaki sando ozo continuer susu ko kuka alors le président de la république aza possible la te na oyo za ko sa Kinshasa vraiment ezali ko loba mingi. Alors, effectivement, tant que Bandaka, vous considérez que vous avez la ville de Kinshasa, vous avez la construction anarchique, vous avez l'espace, il y a Zando, il y a Caniveau, il y a Valoir, il y a Collecteur, il y a Maïs. Il y a 2019, vous avez le Libanais Moko, il y a des sombres à la presse, il y a le Bouzoba. Pour son baba ONG, pour le gouvernement Ngobila a saboté le mandat de la Katamba Kodi. Toke, le lot, bateau, ma PCB sont raison, mais il y a un gouana, tout zongeli, au Salawana, parce que Zando, marché central, ils allaient au Tongama, à partir de la fin, il y a mois de novembre, pour inaugurer marché central. Mais, le lot Oyo, le quoi les a au Tongama? Tout ma paix confiance et ma maman n'a pas papa basa comme ça va comme on a bango et tant aux ans de vos moments maman et que basa la zando moro ya kitoko ya monene oyo et l'équipe à zando nyonso awa nakati afrique centrale et là c'est un mingi pour la piste la monument moko oyo bana Kinshasa barotique la lango bamboula na bamboula na bamboula na bamboula et bango pene et le kona bango bah au sala bazando mosusu. Bipayi na bipayi, côté à Tchango, côté à Mwamba, côté à Lukunga, et ainsi de suite. Voilà, moi et à nous, et à Mouké, on a voulu repérer ça, et à Moutouna, et à Moutouna, et à Moutouna.